Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Bonne dans une autre vidéo hors du commun. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous parlerons des tatouages. Nangs Reborn. Ça, vous le savez, mes frères et soeurs, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. C'est réel. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui se tatouent. Elles se tatouent par-ci et par-là, sans savoir que Dieu lui-même qui a fait les humains interdit cela et que les démons ont pris cette histoire-là pour en faire leur histoire. Regardez ça. Ouh! Vous avez vu ça? C'est extraordinaire. C'est un tatouage. Un homme a aimé ce dessin, ses fleurs, et il a décidé de représenter cette image carrément sur son corps. Ah, mes frères et sœurs, ne savez-vous pas que le corps de l'homme, le corps, votre corps, est le temple de Dieu? Mes frères et sœurs, nous allons vous dire, vous devez vraiment faire attention parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Regardez bien. Et ce tatouage est tellement joli qu'il peut même jouer avec son téléphone. Mes frères et sœurs, vous avez vu ça? C'est hors du commun. Mais c'est vraiment extraordinaire. Mais le problème ici, c'est que dans le témoin puissant précédent même, nous avons découvert qu'un homme qui s'est fait tatouer se retrouve en enfer. Et arrivé en enfer là-bas, son tatouage l'a quitté, c'est-à-dire qu'il s'est sorti de sa peau comme ça. Et s'est transformé en un monstre qui s'est mis à le torturer. Vous pouvez regarder tout simplement le témoin puissant qui va apparaître à la fin de cette vidéo, soit ici ou là. Regardez là, et vous découvrez des choses vraiment étonnantes. C'est vraiment terrible ce qui se passe en enfer à cause des tatouages. Toi, mon frère, si tu t'es tatoué, ma soeur, si tu t'es tatoué, repends-toi et abandonne ces choses. Regardez encore ça. Vous pouvez dire que ça a l'air simple. Effectivement, ça a l'air simple. Mais quand c'est interdit par Dieu que vous le faites sur vous, on va dire que vous adorez d'autres dieux par votre comportement. Et ça, les démons apprécient cela beaucoup. Et quand on va plus loin, regardez ce que ça donne ici. Vous voyez que les femmes commencent à aimer les choses du monde des ténèbres. Les choses effrontées des ténèbres. Or, la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas les ennemis. Ah! Au lieu de les condamner, les gens préfèrent plutôt les kiffer. Mais bizarrement, il y a des gens qui sont bien ignorants. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Si vous ne savez pas, faites attention. On va vous dire que chez vous, dans votre religion, bien dans votre culture, on doit forcément se mettre des tatouages comme ça sur la main, sinon vous ne vous mariez pas. Est-ce que c'est ce que le grand Dieu t'a dit? Si tu es une chrétienne, il faut savoir que ce n'est pas à ton niveau, cela ne s'applique pas à toi. Sinon, si tu fais ça, tu serais totalement en train d'énerver ton Dieu et tu ne diras pas qu'on ne t'a pas dit. Regardez ça encore. Waouh! Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Waouh! Mais c'est incroyable! Qu'est-ce que c'est ça? Regardez vous-même! Une femme s'est fait tatouer carrément une sirène sur son corps! Une sirène! Sur sa cuisse! Sa cuisse droite! Sans doute, elle pense que les sirènes sont de bonnes personnes. Parce qu'elle a sans doute reçu cette information à la télévision comme dans les dessins animés. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Dieu n'a jamais créé un humain pour le mettre dans l'eau. Dieu n'a jamais créé un humain, une femme ou un homme pour le mettre dans l'eau. Si vous voyez un homme et une femme qui vit spécialement dans l'eau, c'est que c'est un démon. C'est que c'est un démon. Si vous n'êtes pas au courant, nous devons vous le dire. C'est notre travail, nous devons vous réveiller. Mes frères et sœurs, faites vraiment attention. Beaucoup tatouer de cette sirène-là comme ça sur vous. Et qu'est-ce qui se passe après? Ce qui va se passer après, c'est que vous allez perdre la vie. Puisque vous avez adoré cette sirène-là en vous tatouant son image sur vous, cette sirène-là va venir pour vous dire que vous ne méritez pas d'aller au paradis. Parce que vous ne pouvez pas entrer au paradis avec ça sur vous. Du coup, elle a fait de vous une personne
prisonnière. Rien qu'en partie des tatouages. Et en ce moment, vous allez dire, mais où? Comment ça se fait? Mais tu as trouvé le diable. Si on te présente le diable tout de suite, vis à vis comme ça en réalité. Avec des cornes, tu vas avoir peur. Mais le diable se déguise comme une femme pareille. Et cette femme-là va te séduire. Et son esprit va entrer en toi. Et comme vous le voyez, c'est nouveau, hein, c'est nouveau, puisque on voit déjà une serviette sympa sur son pied. Ça veut dire qu'à ce moment, elle vient de se faire tatouer. Mon frère et soeur, faites attention. Ne refaites pas ça chez vous. Quand on va plus loin, on voit encore une autre femme qui s'est carrément fait tatouer une femme en détresse sous son dos. Sur son dos. Quelqu'un m'a dit qu'effectivement, il me semble qu'elle-même, elle traverse des moments assez troublants. Des moments assez compliqués, des moments de détresse. C'est pourquoi elle s'est tatouée un truc pareil. Pour montrer qu'effectivement, ça ne va pas chez elle. Et qu'elle a besoin d'affection. Mes frères et sœurs, je vais vous dire, le monde des ténèbres, ils s'en foutent de ça aujourd'hui, ils s'en foutent de ça demain. Eux, ils se foutent tout simplement de dire que la personne qui s'était tatouée sur toi, tu as cru que c'était un ange de Dieu, mais c'était le diable, parce que Lucifer aussi, c'était un ange. Le diable aussi, ses démons aussi sont là, ce sont des anges. Donc c'est un démon qui est là, un démon qui va maintenant dominer ta vie parce que toi-même, tu l'as invoqué dans ta vie. Et regardez ça, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas du fake. Celle-là devant vous. Et ce n'est pas tout. Regardez encore. Les gens vont plus loin pour faire ces choses assez hors du commun. Le gars, il s'est tatoué carrément un serpent géant qui a même des petits pieds. Hé, mes frères et sœurs, regardez comment les gens adorent le diable. Regardez comment les gens se loignent de Dieu, ils sont prêts à même faire l'impossible pour s'éloigner de Dieu. Mes frères et sœurs, les gens se fatiguent. Et c'est pas c'est quoi? C'est un dragon, il est censé représenter qui? Même mon petit frère qui est né hier, il le sait, il sait qui c'est. Il sait ce que représente un dragon. Un dragon, c'est aussi le serpent ancien. Selon la parole de Dieu, selon les écritures que vous ne voulez pas lire. Si vous ne parvenez pas à la connaissance, vous allez tomber beaucoup de dangereux pour rien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas tatouer un dragon qui va... Ce dragon que tu as tatoué sur toi. Après, que tu vas perdre la vie. On ne souhaite pas, mais que tu vas perdre la vie, si tu perds la vie, ça va se répartir. Ce dragon-là va venir en vrai. Face à toi. Face à ton âme. Et tu vas affronter ce dragon. Et puis les gens se tatouent de telles choses comme si... Si ces choses-là même venaient même en réalité, même dans la vie réelle, ils allaient tenir devant ces choses. C'est des démons. Ah, est-ce que si tu vois ça en vrai, dans la vraie vie, tu es sûr que tu vas pas avoir peur? Ou bien tu vas t'arrêter pour causer avec la personne? Il va te dévorer. Le diable, on ne rigole pas avec lui. Et les gens, regardez ce que les gens sont en train de faire. Beaucoup de personnes sont perdues, sont dans l'ignorance. Ce sont des démons que vous êtes en train d'adorer sans le savoir. Je pense qu'il y aura une partie 2 qui va venir sur cette vidéo. Parce que c'est hors du commun, regardez ça encore. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, mes frères et soeurs, abonnez-vous massivement. Permettez-nous d'atteindre 1 million d'abonnés le plus rapidement possible. Parce que vous voulez vous sauver le maximum d'âmes. Regardez ça. Eh bien, il y a le signe ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Mes frères et soeurs, qu'est-ce que c'est? Est-ce mon voisin de classe? C'est aussi un démon! Mes frères et sœurs, ce n'est plus de la blague. Ces choses-là sont réelles. Et tout ce que nous vous montrons ici, ce n'est pas pour rigoler. Si vous pensez que c'est de l'amusement, les démons vous observent. Et vos faits et gestes sont contrôlés. Et eux, ils veillent à ce que ça se passe ici. Vous conduit directement à la mort. Petit à petit à la mort. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des petites têtes. Des têtes de mort. Elle n'a jamais dit que c'était tout carrément une tête de mort sur eux. Et ils ne leur disent rien. Mes frères et sœurs, vous invitez la mort se faisant comme ça sur vous. Rien qu'un petit tatouage. Vous avez pensé que c'était de la blague, c'était celle. Mais le diable était derrière là. Et il vous a trompé. Il vous a perlé comme ça. Ne tombez plus dans son piège. Répondez-vous et revenez à Dieu. Abonnez-vous aussi. C'est parti.
Waouh, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh. La suite.